Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She took the lead in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo et ce soir, au milieu du soir, je vais manger des burgers franco-asiatiques, à savoir des Pao Burgers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais juste deux noms, j'avais pu en manger auparavant. Donc Pao Burgers c'est quoi? C'est des burgers franco-asiatiques, précisément laotiens, même voire japonais, où le pain est cuit en mode Pao, à savoir à la vapeur, donc ça change des burgers classiques, pain brioché maison, voilà, ça n'a rien à voir. Et ce soir, les filles, ça va être de manger plusieurs burgers. Plusieurs Pao Burgers, je dirais même, ou même ramen burger, il y a différentes sortes. Donc là, c'est pas un défi où je vais manger un burger à 10 steaks ou 15 steaks. Non, non. Vu que c'est des burgers gourmets, qualitatifs et vraiment frais, avec des produits sélectionnés et assez coûteux, du coup, je vais essayer d'en manger plusieurs tout en respectant le burger de base. Donc un seul steak ou quoi. Peut-être que je prends aussi une entrée ou deux, un dessert, on verra bien. Donc, direction Pao Bali, Pao Burger, au 89 rue Faubourg Poissonnière à Paris 9e. Faire une exception de plusieurs Pao Burgers. J'ai tellement faim et j'ai tellement envie de manger ça. Ça fait tellement longtemps que je voulais tester. Là, c'est le cas. Donc, je pense qu'on va se mettre bien. Allez, c'est parti, let's go. Les amis, bien installés, comme vous pouvez voir, le décor est juste magnifique, en mode jungle. Baoli, Pao Burger, franchement, je vais me régaler. Alors, pour la dégustation, pour le défi, en entrée, j'ai pris un tartare de saumon, donc saumon, avocat, mangue, ça ressemblait à ça. Ensuite, en accompagnement, je vais prendre un riz gluant coco, qui ressemble à ça. Accompagnement qui va accompagner bien sûr mes burgers. J'ai bien dit mes burgers parce qu'il y en aura plusieurs. Il y aura le Pao Jukiyaki, donc bœuf mariné, oignon confit, purée de tomates, pousse d'épines, arôme, gorgonzola, sauce spéciale. Donc un pain Pao blanc comme ça, que la vapeur. Un ramen burger, croquette, bœuf mariné, cheddar, purée de tomates, nuit de poireau, lait de coco, oignon confit, oignon rouge. Si vous êtes du chef, cherche pas, tu n'auras pas la recette. D'accord. Alors ça va ça. Le black bun entre deux sèches avec du bœuf mariné, oignon confit, chèvre, miel, thym, pousse d'épinards, courgettes, crème de balsamique. Putain, ah d'accord, putain, ça branche chèvre, mort de rire. Le Pao teriyaki, poulet, poulet mariné, oignon caramélisé, ananas rôti, pousse d'épinards, sauce cajun, oignon croustillant. Fais gaffe au poulet, ça va croustiller. Donc il n'y a pas la photo là. Le red bun, alors celui-là je trouve vachement original, hein. Red bun, pavé de thon. Mi-cuit en plus, avec des graines de sésame là. Fenugrec, sésame, oignon confit, purée de tomates maison, crème de balsamique, purée de gingembre, si vous êtes du chef. Un burger à béton, sympa le jeu de mots franchement. J'ai pris aussi le rusty bamboo, qui ressemble à ça. Deux gueules de pommes de terre, donc en place du pain. Mozzarella panée, sympa pour un steak, hein. Mozzarella panée. Purée de tomates maison, balsamique, échalote, basilic, sans gluten, c'est pour ta pomme, d'accord. Il faut savoir qu'il y a des burgers végétariens, par exemple le Pao Green, mais j'ai pas pris par contre. Pareil pour le Veggie Ramen. Et j'ai pris aussi les Guabao, qui sont saillis par deux. Donc le Guamicha, crevette tempura, poivre grillé, concombre, fenugrec, sauce sweet, qui ressemble à ça. Le meilleur pour la fin, comme ils disent. Donc
puis voilà, donc si vous voulez aussi rajouter des suppléments, vous pouvez mettre deux steaks, voilà, ou à la place mettre plus de fromage, remplacer un steak par un steak végétarien ou autre. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Nous avons trois desserts, à savoir les mochis glacés et les tiramisu de maman. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à maintenant. J'ai fait mon petit choix. J'ai pris aussi le burger du moment. C'est un burger avec de la truffe, vous allez voir tout à l'heure, il va arriver. Il y a aussi formule midi si vous voulez, des boissons. Ah oui, pour les boissons, j'ai pris un petit bubble tea, enfin petit, j'ai pris en format grand, 700 ml. En base de thé, vous avez thé végétal ou thé au sirop. Moi j'ai pris un thé sirop, à savoir framboise yuzu. Et pour les perles, je me suis fait un petit mélange avec mangue, passion et jelly arc-en-ciel. Vous allez voir, ça va être une tuerie. En parlant du bubble tea, il vient juste d'arriver. Bien frais, avec une petite perle et tout. Voilà les perles et tout là. De mangue, de passion. Les jelly belly arc-en-ciel là, c'est des petits carrés blancs, vous voyez. Blanc, rouge, coloré. Ça peut être sympa ça. Ça. Ah, c'est super frais. C'est frais, c'est bien parfumé. J'ai pris vraiment du yuzu en plus. Vu que c'est un citron exotique asiatique. Une tuerie. Bon, le poteau en face était servi. Un dôme d'avocat garni avec tomates, feta, pamplemousse et fenugrec. Une sorte de mini burger végétarien, on va dire. Ou le pain remplacé par l'avocat. Franchement, ça a l'air stylé. Hein. Et petite grenade aussi, là, on voit. Bon, bah, Nico, bon app. Hein. Merci, merci. Bon, c'est arrivé après le bubble tea géant. On a ici le riz gluant. C'est marrant, c'est dans un bambou. Je m'a carrément épluché juste devant moi, là, le riz gluant. Là, on a un burger, je sais plus lequel, celui-là, c'est. Avec le steak, le cheddar, les oignons. On a le red bun avec le pavé de thon, mi-cuit. On a l'entrée, tartare saumon, mangue, avocat. Là pareil, pain bao avec le brie à la truffe. On le voit, le steak haché aussi, mariné. Là on a le ramen burger avec les ramen. Pareil, le steak haché, cheddar. Là on a un bao teriyaki avec le poulet teriyaki. Là on a le black là avec je sais plus ce qu'il y a dedans, j'ai oublié, je vous dirai ça tout à l'heure. Il y a des courgettes, la sauce bien généreuse. Là je parie c'est un steak haché. Et puis là le je sais plus le nom, je dirais tout à l'heure aussi à chaque fois. Avec galette de pommes de terre et la mozzarella panée. Et les tempura. Oh, on a un pain bao aussi. Bon, vais-je pouvoir manger tout ça? Franchement c'est énorme. Il y a 7 burgers, une entrée, des tempura, riz gluant, bubble tea. Bon, au moins je vais me régaler, je pense. Ça, c'est sûr, c'est même pas je pense et je suis sûr. Franchement, ça fait grave envie, ça change. Oh là, oh là. Ouais, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Je commence par quoi? Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Hein? Je sais pas, moi. Un des chefs laotiens, franchement, je m'habille bien. Et tout ce qu'il faut là, je vais commencer par celui-là. Parce que la mozzarella panée, il faut la manger quand c'est bien chaud. Donc celui-là, son nom c'est le Rusty Bamboo. Donc il n'y a pas de gluten, c'est pour les végétariens aussi, parce que voilà, il n'y a pas de viande. Donc voilà, galette pomme de terre, il y en a deux, mozzarella panée, purée de tomates, maison, balsamique, échalote, basilic. Bon, j'ai ça clairement quand même, parce que là ça va être compliqué. J'ai un peu de place hein. Soyons fous, on va essayer. Ah ouais, c'est plein de sauce. Bon appétit à vous, vous ferez des lectures en mangeant. Forcément, ça ne tient pas, c'est pas la fin. C'est une galette de pommes de terre maison, ça se voit. On voit que ça s'effrite. La moresa panée là, elle est coulante et tout.
fond en bouche. Ça, c'est pas de la food porn en mode gourmet et qualité. Je me demande ce que c'est, franchement. Magnifique. Je connaissais pas. À part les mozza stick et tout, mais là, mozzarella en steak, maison et pané, dans un burger, lourd. Big G's got it locked, boy. C'est marrant, le pain il est bien levé et pas brioché. Il est... On peut le voir là. Il est moelleux. Comme un pain de mie en fait. Mais un pain de mie dense. Avec pas mal de volume. Un goût sympa quoi. Franchement. De poulet en plus, teriyaki. Big G's got it locked, boy. Bon, la salade, elle mangera à la fin parce que c'est froid. Enfin, manger chaud le reste.
Le goûte un peu leur bœuf. Je prends le black. Ah. Bon, après celui-là, c'est celui-là. Le black. Voilà, avec le brie et la truffe. Pour faire des cotations. Steak haché mariné, brie, truffe, et le confit. Lui, c'est un burger promotionnel. Il est uniquement là au mois de novembre, décembre, après Halloween, quoi. Quoi il change ? Il y a la carte fixe, cela. Mais là, c'est le burger au roue du moment. Vide. Donc, j'ai trois burgers. Les. Je mets à quel moment le guamicha à tempura là. Fois 4 plus le pain en dessous. Ça finit. Trois burgers. Je trouve ça bien là. Calme. Red Bull avec le ton mi-cuit là, sésame. Autant en face, il a mangé son dôme d'avocat farci aux légumes, feta, ainsi que la prime de burger rosti bambou, la mozzarella panée. Décalé, il est mort. Quant à moi, je suis passé à mon quatrième burger, le Red Bull. Allez. C'est steak de saumon sur les burgers. C'est pas les steaks de saumon. Steak de thon mi-cuit là. Bon.
faire, hein. Tomate maison, balsamique, oignon rouge cru, fondu de poireau lait de coco dans un burger. Le pain remplacé par des nouilles en mode ramen, snacké. Wow, c'est un peu croustillant là. Dedans c'est moelleux, enfin c'est un peu croustillant, mais trop bon. Dessert, une entrée qui finit en dessert. Logique. Pour de pizza. Ah. Logique, il y a de l'avocat. Moi qui aime pas l'avocat. Bon. Je mange le dessus alors. Ah, je peux pas là. Je vais prendre un burger, je peux pas. C'est le seul légume. Bon, pardon, vous allez me dire que c'est un fruit. Pour moi, c'est un légume. Certes, c'est un fruit comme une tomate, mais pour moi, c'est un légume. Je passe pas. Sinon, le saumon et la mangue, tu ris. J'ai réussi. Bah, franchement, là. Bien. C'était super bon, je suis régalé, très original, des saveurs vraiment exquises, franco-asiatique, plutôt laotienne on va dire, et exotique, dans la jungle, dans le décor, c'est un bon la jungle quoi.
J'ai envie de dire no comment. Si les gens. Baoli Bao. Bon les amis, fin de la vidéo, je sors du restaurant Baoli Bao Burger. Pas facile à dire, mais j'ai dit, voilà. Je me suis régalé, franchement je suis bien plein et j'ai mangé 7 burgers, une entrée, les tempura là, les. J'ai encore oublié le nom. Ils l'ont compliqué quand même, hein, le nom. Franchement, gourmet, qualitatif, prix abordable, excellent, saveur exquise, dans une jungle vraiment plus que décorée, incroyable. Je me suis régalé, je me suis plus que régalé, en plus je suis calé comme jamais, là, je suis bien plein, franchement. Il y avait un petit dessert qui me plaisait bien là, le tiramisu de maman là, le kyuzu, tout ça, thé vert, mais non, restons raisonnables. Franchement, merci à Rachel et son équipe, c'est de cuisiner laotien. À la base, c'est trois amis qui sont autodidactes, hein, qui n'étaient pas du tout le métier de la restauration. Ils ont fait ce concept en juin 2018, donc il y a quoi, 4 mois, et ça cartonne. Franchement, respect à eux, donc allez-y, Baoli Bao Burger, au 89 rue du Faubourg Poissonnière, Paris 9e. Je survalide, je recommande, franchement j'y retournerai, c'est sûr. En tout cas, les amis, les vidéos, t'envoies un petit pouce bleu, likez, commentez, partagez un maximum. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres défis du genre, si vous voulez d'autres restaurants que je teste, dites-moi hein, en privé, en commentaire, peu importe. Moi je veux des restaurants, dites-moi des bons concepts, des bons restaurants, des nouveautés, des trucs originaux. Vous me connaissez à force. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt, prochaine vidéo. Ciao.